Et salut YouTube, salut à toi, ce soir c'est pénibilité au travail, c'est compteur de mort, c'est bien sûr Dark Souls, et qui dit suite de Dark Souls, dit Démon Capra, qui nous avait mis, rappelons-le, une grosse misère la dernière fois. Du coup on va essayer de faire mieux, et au moins lui mettre un coup. Est-ce qu'on en est capable? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va nous one-shot? C'est probable. Bon, alors les sbires là c'est fait. Eux aussi. Ça crée des tombes, garçon. Hop là. Hop 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 hop. Bon là, ce passage on risque de le connaître à force. J'annonce, hein, le démon Capra c'est pas mon boss préféré. C'est un peu celui qui est violent. Alors, le chien-chien, c'est un moment. Le kiki. Et salut à toi, bœuf du 6-9. Comment vas-tu? J'espère que tu es heureux de nous rejoindre pour cette session masochisme et souffrance. Petite futée. Oui, alors toi, rêve pas. T'as été forcé. On t'a obligé. Pour toi aussi, c'est souffrance. On m'a quand même sub chez mon ex aujourd'hui. T'as pas compris? Le toutou à sa maman, il doit être là-bas. Allez, compas. C'est fâcheux. Bon, si on pouvait éviter de crever contre des chiens, ce serait bien. Mais j'ai vraiment crevé contre des chiens. C'était ridicule. J'ai découvert qu'elle était streameuse depuis 3 mois. Pourquoi je l'ai quittée, merde? Eh bien, peut-être parce que c'était le problème, qu'elle streamait depuis 3 mois. Hop là. Bon. On va dire que c'était l'échauffement. Ah, c'était l'échauffement? Oui, c'était l'échauffement. Je crois que j'avais pas grand-chose de perdu de toute façon contre le démon Capra, donc c'est pas trop grave. Le tout va être de ne pas s'énerver. Je reste calme. Je garde mon sang-froid. De toute façon, je vais récupérer mes âmes en bas si tout se passe bien. Et donc du coup, je vais accumuler en plus de celles que je viens de récupérer là. Donc faut voir la mort comme une espèce de récompense à Dark Souls. Si on le prend comme ça va. Je suis déjà en train de me fâcher? Non! Pour l'instant, je suis encore zen. Je suis mort de façon ridicule, mais je suis encore zen. Putain! Oh, les hitbox à la zob. Mais t'as raté la première mort de l'épisode, donc là tu viens d'arriver. Il est méchant. Oh, c'est pas très gentil. Ouais, c'est vrai.
Les stats sont formelles, 100% des méchants ne sont pas très gentils. Bah vas-y, je me prends un contre. C'était pas... C'était donné. Je sens que plus cet épisode va avancer, moins on va aller loin. Coucouche toi. Et toi aussi. Bon. Eh ben, un début de session qui se passe pas très très bien. Mais c'est pas grave. Délicatesse, douceur, concentration. Coup de chat sur le timing là, mais bon. Je prends. Ouais, alors par contre, si je pouvais me retourner dans le bon... du bon côté, ce serait vachement mieux. On appelle le lock, merci. Oh là là. Y'a rien ici. Y'a un truc ici. Une âme, je prends. Rien là. Bon. C'est reparti, mon kiki. Bon, bah, comme la dernière fois, hein, on passe la brume, le démon nous saute dessus, on se fait défoncer. Classique. Un clébard en moins, c'est déjà ça de gagné. Ce serait une super idée que tu tombes. Là, faut vraiment que je me débarrasse de lui. J'étais pas dans le bon timing. Le petit avantage, c'est qu'il a pas énormément de vie. Le gros inconvénient, c'est qu'il cogne très fort. Ah merde. Hello Zeldou64, bienvenue, bienvenue sur cette session souffrance et martyrisation d'un innocent. Mettons à jour notre compteur de mort, puisqu'on en a 16 quand même. Je sais que... Non, 156 c'est un peu beaucoup. Je sais que venu voir... vous êtes venu voir ça monter. Ce petit compteur. Oui, les dogos, le gros problème c'est que... Nos amis les bêtes sont un petit peu relous. Contre ce boss. Bon, cette fois-ci, on va essayer de faire un passage de la propreté. C'est-à-dire qu'on va essayer de pas trop se faire tataner par les clébards et les mecs en bas avant d'arriver au boss. Parce qu'au bout d'un moment, ça va se voir que je suis pas très doué en fait. First run, oui et non en fait. J'avais une partie précédente où j'avais déjà bien avancé, j'avais sonné les deux cloches de l'éveil. Mais j'avais été très loin d'avoir fini le jeu. Et là je reprends une run depuis le début pour le live.
histoire que les gens partagent ma souffrance. Et c'est une box de qualité dans les escaliers, puisque j'ai touché le deuxième derrière, je ne sais pas comment. Donc non, le début du jeu, je le connais à peu près. Moi, bon, je respawn ici parce que le chemin est pas trop trop long. Je pourrais passer par l'autre côté pour prendre le Firelink Shrine, mais putain, c'est pareil, tu rates. C'est fini, oui. Il est relou. T'as fini de sauter partout, oui. Ah, mais c'est pas trop doux. J'aurai aucun ennemi, ouais, ben oui, c'est vrai. J'aime me causer du tort. Il a fini avec ses couteaux là, con, lui. C'était très sympa. Bah ouais, puis en plus j'aurais 10 astuces. Mais bon. Bah de toute façon, contre le Capra, les fioles elles servent pas trop trop, je trouve. Puisque de toute façon, il me défonce quand il apparaît. Et il faut avoir le temps de se soigner, ce qui est pas trop le cas du boss. Après, si je suis bien le pattern, normalement je devrais pas trop me faire toucher. Ah, le lock. Mais bien sûr, ça fait un gros si quand je dis si je suis bien le pattern. Ouais, mais ça fait des âmes. Ils sont peut-être nombreux, ils sont pas très agréables, mais ça fait des âmes. Boum boum boum. C'est reparti mon kiki. C'était pas ce qui était prévu. C'est ce qu'on appelle... Oh mon dieu, j'ai une hémorragie. C'est ce qu'on appelle un gros gangbang. Bon. 17. Ça va. Objectif, ne pas dépasser les 25. Contre lui. Et attendez, j'essaie de virer mon point de souris. Voilà, merci. On peut le faire. On peut le faire. J'ai confiance. Je suis sûr que cette première séance sera entièrement dédiée à passer ce boss à la con. Honnêtement, une fois que les deux chiens sont dégagés, il est pas ultra dur. Hein. C'est pas le boss le plus dur, je trouve, mais bon. Après, je trouve que les gargouilles, par exemple, c'est un petit peu plus dangereuse. Je vois que j'utilise pas la technique de le faire tomber, mais surtout que j'ai pas trop eu le temps là. Mais ouais, bon, ça fait partie des techniques de se mettre sur la corniche et attendre qu'il tombe pour ensuite lui retomber dessus. Mais bon. On va essayer de le passer à la réglo, à la dure. C'est cadeau. Putain, le timing. Je fais nawak. C'est pas lui le boss, c'est la salle. Ouais, complètement. Il serait dans un espace plus ouvert et sans les deux chiens, il serait assez facile. Mais là, vu qu'il est dans un endroit étriqué, et qu'en plus c'est deux toutous qui se pointent et qui bloquent, c'est ultra relou. Oh, il était pressé lui.
un bouclier nul. Content, content. Tup. C'est parfait ça, 2 pour le prix d'un. Hop, on va récupérer un petit peu notre endurance. Coucou les gens. Allez. Oh ben. En voilà 2. Et 2, 3. Bon, c'était à peu près propre jusqu'ici. Allez. Ça s'est beaucoup moins bien passé que prévu. Pas lui que j'aurais aimé avoir en première ligne. Je l'ai pas vu son deuxième collègue. Bien, magnifique, très bonne idée de se bloquer là. Voilà, bien joué Apotix. Mort 18. Hein. Très très mauvaise gestion de la salle. City ridicule. Oh là là. Va falloir songer à se concentrer. Calmez-vous au-dessus avec vos potions. Vous êtes très agaçant. Hop, la brochette de le kebab de Wawa. Bon, ça c'est fini. À votre tour. Toi, tu vas être relou jusqu'au bout. T'es pas mort. Venez. Voilà le niveau. Parfait. J'en demandais pas tant. Ça par contre c'était pas du tout parfait. Bon, on a connu pire, on a connu mieux.
C'est reparti pour le je sais plus combienième fois du démon Capra. On y croit. Alors, un wawa en moins. Deux wawa en moins. Et le gros monsieur, il est pas content du tout. Belle esquive, garçon. Idée de merde. Et timing tout pourri. Dommage, on est bien débuté. Donc on a mal géré le boss en lui-même. Bah oui, voilà. Mais c'est ça la base du jeu, mon brave monsieur. Va falloir s'habituer à voir le compteur monter. Faudrait pas que je passe en arme à deux mains au moment du démon, parce que de toute façon mon bouclier va pas me servir à grand chose. Encore que. Reviens là toi. C'est pareil ça. Viens comme ça. Arrête de bouger, c'est pas possible. Le relou. Voilà. Bon. Les toutous, c'est fait. C'est raté, bravo le veau. Hop là. C'était pas fait exprès de toucher le deuxième, on apprécie l'arc de cercle de la fémur. La fameuse technique du je te tourne autour, tu sais pas où je suis, hein? Doum-bidoum-bidoum. Je pense que pendant ma toute première run, le démon m'a tué une bonne quarantaine de fois, donc. Ça peut être long. Mais j'aime me faire tuer. Ah non. Mais c'est pas passé loin. On a trouvé un peu de matos au passage, hein. On va pas dire non pour le coup. Courage, en avant mon yaya. Barrez-vous, con de mime!
Aïe. Parade étonnamment bien timée. Et esquive étonnamment mal timée. Je pensais passer dans son dos, mais c'est raté. T'as un dos au moins ou quoi? Je retire ce que j'ai dit sur le bouclier, il est très très utile. Ouais. J'y croyais pas trop celle-là. Trop bas! Coucou! Con. Putain, j'ai plus d'excuses. J'ai fait de la merde sur les derniers passages. On y a cru, on y a cru. Par contre, on sait que le bouclier est extrêmement efficace du coup à la parade. Je ne pensais pas. Donc on va peut-être pouvoir miser dessus. Super, je sais pas pourquoi je lève ma garde. Où est le plaisir dans le jeu? Eh bien, quand tu réussis à passer un boss, tu es extrêmement satisfait. Tu sais, après t'être fait punir un nombre incalculable de fois, tu le passes et tu fais « Ah ouais !» Tu sais, c'est... Dark Souls, c'est un petit peu comme se retenir de faire pipi pendant 2 heures. T'as envie de pisser, tu sais que ça te soulagerait, mais tu ne peux pas pisser. Et quand tu peux, t'as un soulagement incroyable. Et bah Dark Souls, c'est pareil. C'était une belle métaphore. Allez hop, ça c'est fait. Donc Dark Souls, c'est une envie de faire pipi. Sachez-le. Ah, le recovery l'attaque. Trop court. Frapper dans le dos le mec qui se soigne, c'est toujours bien. Bon, allez. Bidou, 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 bidou.
même les chiens commencent à me faire des feintes. Bon. Eux, c'est fait. Eux, c'est fait. Bizarrement, les chiens m'ont donné beaucoup plus de fil à retordre. Et bien, c'est reparti! Y en avant la musique! Ça ne s'est pas très bien passé! Voire même pas du tout. You decided. 21. Viens, gamin. Viens. Voilà. J'ai cru qu'à cause du ramassage d'objets, j'allais me prendre un grand coup de hache. Mais finalement non. Après je sais pas si Dark Souls 2, 3, Demon Souls, etc. étaient aussi un petit peu. Enfin. Dark Souls 2 et 3 si bien sûr. Mais je sais pas si Demon Souls était exactement dans le même genre. Oui, si. Tu me laisses frapper, c'est bien aussi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me soigne? Quelle est la logique là-dedans? Bien, fais des acrobats aussi. Mon perso a décidé de viser comme un alcoolique. Bon. Boum 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 boum. Allez. Donc c'est qu'on en est. Mais le lock. Caméraman aussi, le trop bu. Vas-y. Ça me fait plaisir, c'était gratos. Voilà, comme ça, ça s'est fait. Et du coup, eh ben les 5000 et quelques âmes qui étaient dans la zone du Caprum, je peux me les enfoncer avec ma clé mort. Voilà. Attendez, j'ai oublié de faire un truc. 22.
Alors, comme le disait Zeldou, je pourrais passer par l'autre côté. Mais où est le plaisir là-dedans? Quel pied? Oui, l'éclate est absolue. Et dis-toi, mon brave Pantancrète, que tu n'es que humble spectateur. Moi, je suis obligé de subir, manette en main, de devoir faire attention, de me maîtriser pour que les gens ne disent pas, tiens, il rage quitte comme un gogol. Ce qui finira bientôt ou tard par arriver. Cela s'est passé vite. Un peu de loot, on récupère nos âmes, on se prend un chien en pleine tronche. Et on arrive au boss. On va se remettre en forme, parce que bon. C'était pas terrible. Cassez-vous, con de clébard. Putain, le mur, quoi. Ouais, j'allais dire, ça serait une super idée que tu tombes, mon petit José. Je t'ai pas touché, sérieux. Ouais, c'est en attaque avec les deux lames, elle fait bobo. Ça, c'était con. Ça aussi.
L'avantage de cette attaque, c'est qu'elle n'a pas une portée de ouf. Celle-là, par contre, oui. J'aurais pas dû attaquer deux fois. Et voilà. Pouf. Et ben voilà. C'était pas si dur. T'avais juste 6000 en plus quoi pour lui. Bon, par contre, on a plus de flasque. C'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va atteindre, pardon, le prochain feu. Nous permettra de poursuivre notre exploration un peu plus sereinement. Ouh, le bougre! Le coquin! Tiens! Merci! Encore là, comme je disais, hein, c'est parce que je connais à peu près le... Je connais le truc, hein, mais première fois que tu fais les boss, c'est de la punition, mais c'est un carnage. Hein. C'est un jeu qui demande un peu de technique, mais qui demande surtout pas mal de patience en fait. Tu es d'accord les sens qui t'appartiennent? Eh bien, pourquoi n'achètes-tu pas certaines de mes mousses? Non merci madame. J'ai besoin de tes âmes. Alors, elle va nous ramener des... Elle peut nous permettre d'acheter des mousses qui vont réduire le saignement, l'empoisonnement et... empoisonnement et toxines. Ça va être utile plus tard, mais bon. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle applique du feu... Ah, ça permet de... ça permet de taper les fantômes, ce qui peut toujours servir. Pierre prismatique. Oui, parce que... Je sais pas à quoi ça sert. Ah, elle voit une âme. Enfin, une humanité, pardon. Bon, pour l'instant, ça va pas nous servir. Ouais, elle est pas contente qu'on lui ait rien acheté. On va rejoindre le sanctuaire du Firelink. Après, on fera une micro-pause. Bien méritée. On va pas mourir ici, ce serait ballot. J'avais déjà amélioré ma clé mort, il me semble, déjà dans en plus 2, il me semble. Je crois bien. Tiens, notre pote le sorcier qu'on avait sauvé. Oh, hello. Oh, bonjour. Je suis désolé de vous rencontrer dans des circonstances aussi compromettantes, mais au moins, nous voilà tous les deux sains et saufs, par rapport à toi. Tu les as vus? Les trois jeunes clercs qui se dirigeaient vers les catacombes pour aller voir Kindling. Kindling, l'art de... d'allumer des feux. Quelle terrible mission elle porte. Cette traduction vous a été offerte par des gens qui parlent très peu anglais.
Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reposer. On va monter de level. Dex, ça va pas nous changer grand-chose. Par contre, résistance, oui. Deux niveaux en résistance. Ou un niveau en résistance, un niveau en vitalité, c'est pas mal. Hop. On va confirmer le renforcement. Et on va faire une pause ici de quelques instants. Je vous retrouve dans 2-3 minutes. Et YouTube, je te dis à la prochaine fois. Fais ce que tu fais habituellement avec tes vidéos. Des bisous. Salut. Et puis.